Qu'est-ce qui permet à l'un de nos départements français de rivaliser avec l'Indonésie, la Jamaïque, l'Éthiopie ou encore le Brésil? Rien d'autre qu'un tout petit grain de café. Un café grand cru, reconnu dans le monde entier et qui ne pousse que sur l'île de la Réunion, le Bourbon pointu. Comme pour le vin, ce café bénéficie d'un terroir, d'une très large palette d'arômes et d'un savoir-faire bien spécifique. Produit sous le climat tropical de l'île de la Réunion dans l'océan Indien, à 9300 km, la capitale en fait l'éloge et se l'arrache. C'est quand même assez incroyable, hein, c'est un super café. Dès le XVIIIe siècle, envoyé à la cour de Louis XV, la boisson fut grandement appréciée. L'histoire du peuplement de l'île de la Réunion, qu'on appelait l'île Bourbon, est intimement liée à la culture du café. Et pourtant, sa production s'arrêta net à la fin du XIXe siècle, décimée par une épidémie. C'est l'histoire de cet héritage que 55 producteurs réunionnais défendent en participant au renouveau du café français. Installée dans les hauteurs de Saint-Leu, Maximilia Vitry fait partie des productrices pionnières dans la relance de la culture du café Bourbon pointu en 2002. Une opportunité pour les agriculteurs à la recherche de nouveaux débouchés. Avant de faire le café, j'avais un verger créole et je faisais aussi du foie gras, d'oie. Je voulais faire autre chose que ce qu'on faisait d'habitude sur les exploitations agricoles. Ce qui m'a motivée, je pense que entre le café et les Réunionnais, il y a une histoire d'amour. Les Réunionnais ont toujours eu du café chez eux. Il lui a fallu expérimenter avant d'être en mesure de créer un cahier des charges détaillé. Au début, quand on a planté ce café, on l'a planté sur toute l'île, à toutes les hauteurs. Et ce n'est qu'au bout de ces 5 ans d'expérimentation qu'on s'est rendu compte que pour avoir un produit de qualité, il fallait commencer par déterminer un terroir. Il fallait 750 mètres d'altitude jusqu'à 1000-1200 mètres. J'ai eu la chance d'être dans le terroir favorable, ce qui fait que j'ai pu planter 2 parcelles. La seule vraie difficulté vraiment qu'on a pour ce café, c'est la cueillette. Parce que on doit être très vigilant sur la qualité de la cerise pour le cueillir. Et on cueille uniquement les graines qui ont la couleur bordeaux. Sur cette parcelle-là, on peut avoir 900 à 1 tonne de café en cerise. Hein. Parce que pour faire 1 kilo de café vert, c'est-à-dire dépulpé, déparché, séché et prêt à être torréfié, il faut 7 à 8 kilos de cerises. Alors faites le compte. 9 longs mois de travail sur cette parcelle permettront d'obtenir seulement 125 kilos de café vert. Accompagné par la coopérative de Bourbon Pointu, Maximilia Vitry bénéficie de l'expertise de techniciens agricoles, comme Étienne Bouvry, qui en période de récolte lui rend régulièrement visite. Ah ben voilà Étienne. Bonjour. Salut, dis-moi. Ça va? Ça va bien? Il reste quelques cerises là-dessus. Ah, c'est les dernières, Étienne. Hein. On arrive au bout, là. Ah oui. Dis-moi, tu crois pas qu'on devrait couper et trouver le moyen d'enlever le pied mère? Je vais finir d'enlever ceux qui sont déjà complètement secs. Et ceux qui sont vraiment fatigués dans ceux qui restent, on va faire la taille de régénération. Donc on va repartir sur le bourgeon le plus bas. Mon travail, moi, auprès des agriculteurs, c'est de les accompagner dans la production de café. Depuis la plantation jusqu'à la récolte et ensuite à la gestion de la caféière au jour le jour. Ok, donc là la récolte est terminée quasiment. On reste 2 petites cerises, et bien on a déjà les fleurs. Voilà, c'est parti pour l'année prochaine, les fleurs sont déjà là.
Afin que ce niveau d'exigence soit maintenu, les cerises de café doivent être transformées dans les 4 à 5 heures après la cueillette. Chaque lot est numéroté. Laquelle, ça ? Celui-là, c'est de 2016. Et l'autre, c'est celui-là, 2008. 2008. Alors, 2016, ici. Donc ça, c'est... C'est la fin, là, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Il reste 3 grains collés au fond. On va pas les laisser. Non. Jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier, c'est parfait. En route. Direction le Tampon pour rejoindre la coopérative. Étienne Bouvry, en intervenant ainsi auprès de la cinquantaine de producteurs, s'assure du respect du protocole de production du café Bourbon Pointu, en commençant par le dépulpage. Le dépulpage, c'est juste l'étape qui consiste à sortir de la cerise les 2 grains de café. On va les laisser dans le seau pour la macération pendant 24 heures. Et bien sûr, on fait suivre le numéro de l'eau pour la traçabilité. S'ensuit alors le séchage des grains à l'air libre. Ils resteront ainsi pendant un mois. Là, on est sur un lot qui a déjà séché 2 semaines au soleil. Donc déjà, les grains ont changé de couleur. Et on entend que la sonorité n'est pas la même, en fait. À l'issue de cette période de séchage, il ne reste plus qu'à enlever la parche, l'enveloppe qui recouvre le café vert avant de lancer la torréfaction. 24 heures plus tard, une dégustation à l'aveugle a lieu, en présence de la confrérie des dégustateurs. Formée pendant 3 ans, chaque spécialiste doit juger les différentes tasses de café, selon une grille empruntée à l'œnologie. C'est Jean-Pierre Dany, le torréfacteur de la coopérative, qui prépare chacune des boissons qui vont être passées au crible. Tous les lots sont vraiment préparés exactement de la même façon, avec la même température d'eau, avec le même temps de contact entre la mouture et l'eau chaude, et avec le même ratio également eau-café moulu. Au total, 3 lots de café sont testés aujourd'hui. On ne sait jamais ce qu'on goûte, on ne sait pas. Marie-Vivienne Ottaviani, présidente de la confrérie, coordonne le groupe. Et chacun est connecté au même logiciel pour noter, après chaque gorgée, les différents critères. Pour une dégustation de café, on doit déjà commencer à tester l'intensité aromatique. Une fois qu'on a trouvé l'intensité, et là on revient sur la qualité aromatique. On cherche l'acidité, l'amertume, l'astringence, le fruité. On cherche tous les défauts et puis tous les bons goûts, bien sûr. Pour que ce soit un café d'excellence, il faut que ce soit un grand cru. On doit retrouver des notes d'agrumes, d'acidité, avec un corps léger quand même. La dégustation, ça va déterminer le prix d'achat. Ça permettra aux agriculteurs, s'ils ont du bon cru, ils vont avoir un petit bonus en plus. Le torréfacteur analysera ensuite les grilles de notation afin de déterminer le montant de chaque lot. En moyenne, la coopérative vend le kilo 250 euros pour satisfaire la demande locale, quand il s'envole à 500 euros pour l'exportation. «
Si une partie de la production est exportée en Europe et au Japon, environ 65% du bourbon pointu, séché, grillé et torréfié, est écoulé dans les épiceries fines de l'île ou en vente directe chez les producteurs. Le savoir-faire n'est plus à prouver. Reste à le faire savoir. Ce que permet justement la route des caféiers, un circuit touristique autour de cette spécialité réunionnaise. À 1000 mètres d'altitude, à Bois de Nèfles, Martin Slitty accueille un groupe de touristes pour une découverte du domaine familial. 5 hectares de plantation, dont 1 hectare et demi de café. La cueillette, on l'a terminée parce qu'on a 6 mois de cueillette, donc 6 mois de floraison. On va avoir des pics de floraison jusqu'au mois d'avril comme ça. Donc tous les mois, on va avoir des gros pics de floraison. À La Réunion, il y a 2 variétés qui sont plantées, l'arabica, le bourbon pointu et le bourbon. L'arabica ne supporte pas le soleil direct sur les feuilles, sur les cerises de café, ça les brûle, ça les fragilise. Le bourbon pointu, quand on l'a découvert la première fois en 1770, on ne savait pas exactement ce que c'était. Et donc, un chercheur du CIRAD va lui rechercher génétiquement les gènes du bourbon. Et donc, en allant chercher dans les gènes du bourbon pointu, il va retrouver des gènes du bourbon. Donc en fait, c'est bien une mutation qui s'est faite ici. Et c'est une mutation en plus qui est persistante. C'est-à-dire que depuis l'époque qu'on l'a découvert en 1770 jusqu'aujourd'hui, on a le même descriptif sur la plante. La longueur des entre-nœuds, les petites feuilles, les cerises allongées, tout ça n'a pas évolué, ça s'est stabilisé. Ce café a été reconnu en tant que premium café. Pour des spécialistes dégustateurs, c'est l'un des meilleurs cafés au monde. Aujourd'hui, le bourbon pointu, il est entre 0,4 et 0,6% de café. Quand un Robusta est autour de 14% de caféine. Une particularité qui rend la dégustation du bourbon pointu extrêmement subtile, jusqu'à surprendre les amateurs de café corsé. Ça reste en bouche et ça... En fait, il est à la fois doux et parfumé. Il n'a pas d'amertume et il est acidulé. Et vous avez du fruité qui arrive en bouche. Et c'est ce qu'on appelle la longueur en bouche. En fin de tasse, on retrouve des parfums un peu charnus, dont ceux de la tomate. Un café qui ne laisse pas indifférent par la palette de parfums qu'il évoque. De tout temps, il a passionné aussi bien les voyageurs que les botanistes et les médecins. Justement, à 9300 km de la plantation de Martin Slitty, l'histoire du café en France, vieille de plus de 300 ans, est toujours un sujet d'étude et d'observation au cœur de Paris. Dès le XVIIe siècle, les serres du Jardin des Plantes deviennent l'emblème de l'acclimatation et de l'étude de la flore exotique. Aujourd'hui encore, la serre des forêts tropicales héberge 600 végétaux, dont le plant de caféier originel, et c'est Karim Benyoub qui veille depuis bientôt 25 ans sur ce biotope. Je terrotte, je plante. C'est du travail de jardinage, exactement ce qu'on fait à l'extérieur. Mais voilà, pour des plantes tropicales et dans un bâtiment. L'historien et chercheur Loïc Benassis est venu aujourd'hui lui rendre visite. Ensemble, ils reviennent sur les origines de l'engouement des Français au XVIIIe siècle pour ce nouveau breuvage. Bonjour. Bonjour. On se rencontre face au caféier, du coup. Voilà, le soi-disant caféier du roi. L'histoire, normalement, c'est qu'il daterait de 1714, que ce soit les Hollandais qui auraient donné justement ce plan à Louis XIV. Tout à fait. Et donc, de Jussieu aurait construit la première serre chaude du Jardin des Plantes spécialement pour ce caféier. Un plan introduit par la suite dans les colonies françaises. Toute la production française du XVIIIe siècle serait originaire de ce seul plan offert par le bourgmestre d'Amsterdam. C'est ça, oui. En tout cas pour les Antilles, parce que pour La Réunion, on sait déjà qu'il ne vient pas de ce plan hollandais, on va dire. Il y a ce bourbon pointu qui, lui, apparaît début 19e, fin 18e, et qui venait du Yémen. Alors, pan de l'histoire de la gastronomie ou légende? L'enquête se poursuit à la bibliothèque du Musée d'Histoire Naturelle. Elle renferme des écrits du XVIIe siècle qui retracent l'épopée du café. Un trésor auquel Alice Lemaire, directrice des bibliothèques et de la documentation, nous donne accès.
Ces petits ouvrages qui sont nombreux dans les années 1680, époque où en fait les boissons exotiques que sont le thé, le café, le chocolat se répandent à la cour principalement, et ils sont écrits par des médecins qui étudient l'intérêt du café pour faciliter la digestion et la prise de décision aussi. À propos de ce café endémique de l'île de la Réunion, nous avons aussi dans nos archives qui sont très riches une description et des informations sur la culture du café Desforges Boucher, qui était un cadre de la Compagnie des Indes et puis plus tard gouverneur de l'île Bourbon. Son conseil, c'est développons le café. Mm-hmm. D'ici quelques années, il y aura de quoi, rien qu'avec ce qu'on fera à La Réunion, il y aura de quoi finalement nourrir la France en café, fournir à la France tout ce dont elle a besoin. Avec des conseils de culture, de récolte, à quel mois c'est plus intéressant. Tout à fait, parce que c'est un très grand connaisseur de l'île Bourbon. Il y a cette très jolie planche, d'après un dessin du dessinateur de l'Académie des sciences, Simoneau. Voilà. Grande finesse. C'est ça, et donc là, c'est le XVIIe siècle, avec une qualité d'illustration botanique qui se veut scientifique pour permettre l'identification de la plante. Donc vous avez le détail des organes sexuels de la plante, des détails des différentes étapes de la fleur, de la graine de café. Enfin voilà, c'est vraiment une illustration qui permet le travail scientifique. Si le café est un sujet d'étude pour les médecins et apothicaires du XVIIIe siècle, il est aujourd'hui encore un sujet d'observation au cœur du Centre français d'innovation culinaire de Saclay. Cette chaire universitaire cofondée par le chef cuisinier Thierry Marx et le chercheur Raphaël Aumont explore les recettes du futur via la cuisine moléculaire qui lie la science à la gastronomie. Si on regarde la cuisine, eh bien c'est aussi des affaires de science, parce que pourquoi ça caramélise, pourquoi ça croustille, pourquoi la texture change, eh bien il y a de la physico-chimie dans la cuisine. Expérience à l'appui, Raphaël Aumont s'intéresse en ce moment au café et axe ses expériences sur la concentration des saveurs avec le froid, la cryoconcentration, une technique totalement naturelle. Là, on va pas travailler avec du bourbon pointu, qui est quand même un café d'exception. On va prendre un pur arabica pour faire des expériences en science. Mais après, évidemment, on peut transférer cette technologie à ce qu'on veut comme parfum. C'est quand même l'intérêt. Hein. L'eau qui est dans le café, eh bien, sert de solvant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va entraîner avec elle, il va permettre d'extraire la caféine et tous les arômes. Si on veut faire un café un peu concentré, qui pourrait par exemple faire une crème pâtissière, pour une application pour un opéra, pour simplement une expérience de café un peu fort, eh bien on n'a pas besoin d'avoir autant d'eau. Donc on va se débarrasser de l'eau, ce solvant, et donc ça va nous permettre de distiller grâce au froid. Pour distiller à froid, le chimiste utilise justement de l'azote liquide, à moins 196 degrés, qui nécessite de nombreuses précautions avant manipulation. Donc là, on fait tourner le ballon sur lui-même. On sent que ça durcit. Donc là, ça y est, on est déjà surgelé. L'intérêt de l'azote, le côté instantané de la surgélation sans aucune formation de cristaux d'eau. Donc là, on ramène à température un petit peu le plastique grâce à la température de la main pour retrouver des propriétés élastiques. Voilà. Et après, on va éplucher du café. Voilà, un nouveau geste. Prêt ? Et voilà, sorbet café instantané. En fondant, un café ultra concentré va s'écouler, se séparant de l'eau pure qui reste congelée plus longtemps. C'est le principe de la cryodistillation. On a l'habitude en cuisine de distiller par le chaud, les alambics, etc. Là, l'intérêt, c'est de distiller par le froid. Donc, les premières gouttes qu'on va extraire, ça va être du café extrêmement concentré. Ce qui permet de ne pas altérer le goût du café qui ne supporte pas toujours la chaleur. Là, on est vraiment sur un café très très concentré, parfumé, chargé en arômes. Alors, si on prend un bourbon pointu, justement, qui est déjà un café d'exception, eh bien là, on va rendre encore plus exceptionnelle la dégustation. Et alors ça, justement, un pâtissier, un cuisinier, eh bien, vont pouvoir utiliser cet extrait de café naturel. J'insiste sur le côté naturel, hein, c'est un extrait naturel de café pour aromatiser une crème pâtissière, un opéra, pour des nouvelles émotions gustatives. Ça, c'est
de l'eau pure. C'est transparent comme de l'eau et ça a plus goût de café. Une technique destinée aux professionnels, mais que l'on peut reproduire chez soi plus simplement pour obtenir un concentré de café. Une astuce que je peux donner, eh bien, c'est de faire des glaçons. Et puis, vous allez les sortir sur une assiette et vous allez les laisser décongeler tranquillement. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir de l'azote, etc. Et le premier jus que vous allez récupérer, eh bien, vous remarquerez à la dégustation que lui, justement, il est très concentré. De nos jours, la boisson que l'on boit le plus en France après l'eau, c'est le café, avec près de 5,5 kg consommés par personne chaque année. Un engouement qui explique le succès de la manufacture de café créée par le chef étoilé Alain Ducasse. Chaque jour, des grains de café provenant de diverses régions du monde y sont torréfiés. Un travail que réalise Veda Viraswamy en parfaite harmonie avec les cultivateurs. On a essayé de savoir quelle était la variété, quel était le terroir et comment le producteur travaillait ses propres cafés et qu'est-ce que nous, on pouvait en faire au final pour avoir la tasse que l'on souhaitait. Originaire de l'océan Indien, le torréfacteur a un faible pour son café de prédilection, le Bourbon Pointu. C'est un Bourbon Pointu qu'on reçoit en petits paquets de 1 kg sous vide. C'est un café français, exceptionnel. On va faire un contrôle qualité pour voir si ce café-là correspond bien au cahier des charges qu'on s'était fixé. On a travaillé avec un monsieur qui s'appelle Yann Bessa. Ensemble, on a écrit un protocole. À quel moment on va récolter la cerise, à quel moment et comment on va traiter, sortir les grains de la cerise, quel type de fermentation, quel type de lavage, etc. Quelle qualité de l'eau, combien de temps on allait fermenter pour au final obtenir un produit quasiment unique. Cet appareil nous permet de mesurer le taux d'humidité des grains de café ainsi que la masse volumétrique, la densité globale de ces grains-là. Ça montre un petit peu ce que je vais pouvoir imaginer comme profil de torréfaction. Je torréfie environ une centaine de kilos de ce café-là par année, quasiment toute la récolte. Donc c'est très confidentiel, c'est très rare, mais en même temps c'est tellement extraordinaire qu'il fallait que ce café-là soit ici à la manufacture de café. Le torréfacteur semble faire corps avec sa machine dernier cri pour lancer la torréfaction et transformer en 12 minutes la couleur, l'odeur et la saveur du grain vert. Une réaction chimique bien connue en cuisine que l'on nomme la réaction de Maillard. La réaction de Maillard permet tout simplement de développer les arômes du café. On peut en développer jusqu'à 800 000 dans chaque grain de café. La torréfaction, c'est beaucoup de science, mais le torréfacteur va apporter sa sensibilité, son savoir-faire, son expérience. Et c'est ce qui va nous donner notre identité. Chaque torréfaction est une histoire, un moment particulier, un moment unique. Dans le bar attenant à la manufacture, Antonin Courtin, cafelier, révèle toutes ses saveurs à travers la précision de ses extractions. Mon métier consiste à essayer de traduire la vision de Veda avec le café. Donc, le métier de cafelier, c'est de savoir écouter le client, comprendre ce qu'il recherche. Donc si un client vient par exemple d'Italie, il va rechercher un café assez corsé, avec du corps. Donc voilà, à nous aussi de savoir adapter nos recettes. Si tout est question de chimie et de recettes, il faut continuer à innover pour surprendre les palais. C'est le cas avec le cascara, une infusion réalisée à partir de la pulpe de café, matière généralement inutilisée. C'est tout simplement de la pulpe de café qu'on a fait sécher pour que ça révèle bien le fruit du café. Mais est-ce que c'est systématiquement récolté dans les fermes à café, la cascara? Ah oui, c'est récolté dans les fermes. Pendant des années, on n'a pas su quoi en faire. Et aujourd'hui, on arrive à faire des boissons quand même assez incroyables, caféinées. Il est temps pour nos deux spécialistes de tester la torréfaction du Bourbon Pointu et de s'assurer que les grains reçus révèlent tout leur arôme. Ouais, on est sur des notes vraiment assez florales, c'est très agréable, beaucoup de douceur.
Ce café de prestige, parmi les plus grands crus au monde pour les connaisseurs, a failli disparaître des suites d'une épidémie au 19e siècle. Et pourtant, il connaît depuis 20 ans une véritable résurrection. De l'Hexagone à La Réunion, comme partout dans le monde, le café a ses amateurs, ses professionnels et son jargon. Et qu'ils soient barista, sommelier du café ou cafelier, tous sont à cœur d'exprimer dans cette boisson le travail passionné des agriculteurs et torréfacteurs.